L'ancien président algérien et vétéran de la guerre d'indépendance, Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à l'âge de 84 ans, est inhumé en ce moment même et en présence de son successeur, Abdelmajid Tebboune, au carré des martyrs de la guerre de libération du cimetière d'El Alia sur les hauteurs d'Alger. Pas d'obsèque nationale donc pour l'ex-chef de l'État contraint de quitter le pouvoir en 2019 sous la pression de la rue alors qu'il tentait de briguer un cinquième mandat en dépit d'une santé dégradée et après près de 20 ans de règne. Sa dépouille n'a pas été exposée non plus comme annoncé au palais du peuple à Alger. Le successeur du président défunt, Abdelmajid Tebboune, donc s'est borné à ordonner la mise en berne du drapeau national pendant 3 jours. Si personne ne se réjouit de la mort de l'ex-chef de l'État, celle-ci laisse quelque peu indifférent hein, la très grande majorité des Algériens, explique Saïdi Sahali, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Au-delà du sentiment humain, bon, on ne se réjouit pas à la mort d'une personne, quelle que soit un peu la personne, mais sinon, pour le peuple algérien, Bouteflika fait partie du passé. Vraiment, d'ailleurs, pour nous, Bouteflika, voilà, il était absent depuis pratiquement 2013, depuis même son quatrième mandat, il était absent, il n'a pas adressé la parole au peuple algérien durant tout un mandat, et puis il faut rappeler quand même qu'en 2019, Bouteflika a été démis par le peuple. Pour nous, Bouteflika incarne un système qui a été honni par le peuple qui s'est révolté en février 2019. Bien sûr, c'est un événement, mais aujourd'hui, le peuple algérien voilà, est beaucoup plus occupé du quotidien, notamment la situation des libertés aujourd'hui, avec le nombre des détenus d'opinion, avec la situation sociale, le pouvoir d'achat qui se dégrade de plus en plus sur un fond de pandémie, sur un fond un peu de changement climatique, tout ce qu'on a vécu, les incendies, voilà, aujourd'hui, la situation s'est compliquée depuis le départ de Bouteflika en 2019, voilà. Saïd Sahli, le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, interrogé par Esdras Nkoumana. En dehors de l'Algérie, rares sont les réactions après cette mort de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a publié un communiqué surtout pour saluer la mémoire de celui qui a été dans les années 1970 et pendant 14 ans le chef de la diplomatie algérienne et à l'avant-garde du combat contre l'apartheid sur la scène internationale, notamment à la tribune des Nations Unies à Johannesburg. Pour RFI, Claire Bargelès. En 1974, alors président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdelaziz Bouteflika parvient à faire exclure les représentants du régime de l'apartheid, comme le rappelle Adib Ben Cherif, professeur en sciences politiques à l'université de Sherbrooke. En fait, il y a déjà eu quelques mesures qui ont été prises par le passé. Le problème, cela n'était que symbolique. Avec l'arrivée de Bouteflika en tant que président de l'Assemblée générale, il arrive à jouer un peu, en quelque sorte, sur le plan de la jurisprudence et à faire sortir le régime de l'apartheid de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un acte qui représente bien l'époque où Abdelaziz Bouteflika portait la parole des pays non alignés. Après la chute de l'apartheid, des relations cordiales persisteront entre Pretoria et Alger, avec notamment la création concertée du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Mais ces liens pourraient désormais se distendre, selon Adib Ben Cherif. La ligne classique de l'Afrique du Sud en matière de politique étrangère a quand même demeuré. Au sein de l'Union africaine, on peut voir sur plusieurs décisions, les pays s'alignent. Il y a en quelque sorte un de ces années, mais après les relations interpersonnelles, non plus l'intensité des combats de la première heure. On était dans la génération de ceux qui ont fait les indépendances, donc oui, une page se tourne. Aucune figure de l'ANC n'a d'ailleurs réagi suite à la disparition de l'ancien chef d'État algérien, dont l'image au fil de sa présidence s'est fortement dégradée. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله
ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، واجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم احفظ مجاهدينا، اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. De l'indépendance et de tous ses prédécesseurs à la tête de l'État, l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika a été enterré ce dimanche dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia, près d'Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence du président Tebboune et de nombreux hauts responsables. Si les drapeaux sont en berne, le deuil national n'a pas été décrété. L'Akhdar Brahimi, ancien chef de la diplomatie et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, était un ami d'Abdelaziz Bouteflika. Il l'avait connu lors de sa nomination fulgurante à la tête du ministère des Affaires étrangères. C'était en 1963. Entre tristesse et déception, l'Akhdar Brahimi rend hommage à un diplomate hors pair. Son engagement extrêmement précoce dans la guerre de libération et son arrivée à la tête du ministère des Affaires étrangères à 26 ans, ce fut une surprise pour nous qui étions déjà au ministère et qui avions fait ce qu'on a quelquefois appelé de la diplomatie militante. Mais il a vite dissipé, si vous voulez, nos craintes. Il n'y a pas de doute qu'il fut un grand ministre des Affaires étrangères, un très grand ministre des Affaires étrangères, et que la diplomatie algérienne a connu son zénith sous sa direction. Et finalement, vous trouvez que l'hommage qui lui a été rendu par le gouvernement algérien actuel est à la hauteur du personnage, ou vous vous êtes senti un peu déçu? Je crois que j'ai été un peu déçu et que je ne suis pas le seul à l'avoir été. Je pense que ce n'est pas la fin de la discussion de la vie et la mort du président Abdelaziz Bouteflika. L'Akhdar Brahimi avec Léonard Vincent. Et puis parmi les hommages à l'ancien président algérien Bouteflika, celui d'Emmanuel Macron, le président français, salue ce dimanche une figure majeure de l'histoire contemporaine de l'Algérie qui a été un partenaire exigeant pour la France. Emmanuel Macron qui adresse ses condoléances au peuple algérien. Pour moi, le début, il a représenté bien l'Algérie, mais après, il a commencé à... Il y a eu tellement des voleurs qu'ils ont ruiné. Il est responsable pour ça. Moi, je retiens une seule erreur. Quand il est tombé malade, il fallait partir. Enfin, il fallait laisser. Et comme l'entourage pourri, ils l'ont utilisé. C'est ça qui a foutu, excuse-moi d'expression, l'Algérie dans la merde. C'est pas un mauvais souvenir. Au début, quand il est venu au pouvoir, l'Algérie, elle était dans un état catastrophique. Hein. Il nous a sortis du terrorisme. Il faut reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. C'est lui qui a fait la paix et tout, depuis 1999, parce qu'avant, c'était pas bien. Et sa mort, ça me fait de la peine. بقلوب راضية بقضاء الله عز وجل وسننه السارية في خلقه يرحل المجاهد وضابط جيش التحرير الوطني الرائد عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر عشية الاستقلال الوطني من بين رجالات الجزائر في تلك الفترة الصعبة التي تصدى لها الجزائريات والجزائريون لبناء الوطن بعد حرب التحرير المجيدة نودعك اليوم في هذا الموقف المهيب ونحن نسترجع ومضات من حياتك تغمد الله روحك الطاهرة برحمته
عرفانا بما قدمه الشهداء والمناضلون والمجاهدون الذين نذروا حياتهم للأمة فخلدهم التاريخ ودون أسماءهم في سجله الخالد، وستبقى أعمالهم التاريخية شاهدا ومعلما بارزا. رحمك الله برحمته الواسعة، سائلين الله لك المغفرة وأن يلحقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.